Salut, salut tout le monde! Très contente de vous retrouver pour un nouvel event. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en attendait un. Donc, moi j'ai pas pu faire une preview sur la bêta test puisque je n'ai pas été sélectionnée. Donc je le découvre en même temps que tout le monde. Bon, un peu plus tard puisque je ne l'ai pas fait hier soir, je le fais en début d'après-midi pour pouvoir faire la vidéo tranquillement. Donc j'ai pris un peu de retard mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Allez, on démarre! Voilà, entrée. Allez, c'est parti! Alors j'ai eu des aperçus, mais je n'ai pas du tout joué. Donc bienvenue dans un tout nouveau événement, un lieu où tout est légèrement différent. Oh, des œufs de dragon. Fusionner, faire éclore un dragon, ça fait toujours du bien de voir un visage familier, ok. Donc évidemment, petit tutoriel de début. Lol. Pardon, excusez-moi. Avant de l'emmener avec nous, ok. Donc, en terminant cette quête, nous trouverons peut-être quelque chose à offrir à notre nouvel ami dragon. Parfait. Je me demande de quoi il s'agit. Fusionner pour les découvrir. Ok. Donc, ouais, il faut fusionner. Ou à un conjureur. Donc, ça s'appelle un conjureur. J'ai entendu parler. Touchez-le pour créer quelque chose de nouveau. Bien. Une plume. Ça y est, touche ici pour terminer la quête. Ah, pardon, sur le côté, la plume. Touche à nouveau pour obtenir votre récompense. Je parie qu'elle contient ce que vous avez besoin. Hop, donc celle-là. Ah, il y a des infos. On va les voir. Voilà, terminé. Les infos. C'est assez sympa. Là, pareil, il faut des tribales. Ah, j'ai un coffre. Hein. Voyons voir le coffre. Le coffre est extrêmement joli. L'œuf d'ailleurs aussi. Hop. C'est un très bel œuf. Voilà. Donc là, on a une chaîne apparemment. Fontaine en ruine. Donc oui. 6 niveaux. Un peu comme dans Arcadia. Ensuite, on a encore une chaîne. Famille des objets anciens. Ok. Donc 7 niveaux par contre pour lui. Ah, tiens, c'est bien œuf de dragon glouton. Les œufs sont très jolis. Donc, eh ouais, 10 niveaux. Après, lui, il aime les pommes. Hein. Ok. Ça, c'est quoi ça? Exotique. Bien là. Désolé, je zoome un peu. Hein. Au revoir. Voilà. C'est quelle chaîne ça? Dragon exotique. Ah, c'est un habitat. Ok. Très bien. On va le mettre là alors. Et on va cliquer là. 2, 3, 4. Apparemment, ça donne des. Hop. Et 5. Bah écoutez, on va fusionner ça. Bonus. Ah, j'en ai un. C'est du verre soufflé, ok. Donc 6 niveaux, pareil. Ah, ça, c'est famille des objets anciens, un plumeau. Sais pas si ça donne à volonté ou pas. Donc déjà, je vais fusionner celui-là. Je vais en donner un pour le coffre. Terminé. Terminé. Verre soufflé. Et bon, on va faire ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est assez sympa. Des coffres, donc j'en ai 1, 2, 3. Voilà, j'ai les 3. Très joli coffre d'ailleurs, hein, fraise. C'est quoi ça? Coffre de baies sauvages vertes, hein, de fruits rouges et des pommes. Ok, donc eh bien, je vais donner ça. Un deuxième. Ensuite, ok.
pense que 1, 2, 3, 4, 5. Non, 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 non. Hop, 5. 5. Bon, je vais faire ça. Hein, Alors, j'ai eu un attrape-rêve tribal, ok. Et là, c'est quoi ça? Du globe de verre soufflé, ok. Donc, il y a des. Ouais. C'est des chaînes, ça c'est sympa. Donc apparemment, on va faire le tour. Là, il y a une zone évidemment pour la défaire. Apprivoiser plus la longue pour déverrouiller la zone. On va voir. Oh, pas mal. Apparemment, c'est extrêmement grand. Du moins, c'est extrêmement grand, moins grand que les maps repères. Là, j'ai une baie. Une baie. Touche deux fois. Quoi deux fois? Ah, d'accord. Et quand la barre est pleine, je suppose que tu les as apprivoisées. Une baie. Oula. Alors, voilà une grosse baie. Après, on a une grosse fraise. Deux fois. Berk. Ah non, il n'aime pas celle-là. Donc non, on ne veut pas. Hop. Donc celle-là, on va attendre. Oh, mais c'est pas de pomme. Hein. Ah bah attendez. Hop. Non. Ah, par contre, les designs sont très, très, très jolis. J'adore. J'adore, j'adore. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai essayé de trouver. Comment que ça? J'ai essayé de trouver un jeu similaire, un peu à Mage Dragon, avec des jolis graphismes et tout. Et il n'y en a pas franchement un qui m'a attiré, quoi. Hop, donc ça. Celui-là, on va le mettre là, on va faire 5. Je comprends pas trop, là, j'ai dû faire une erreur. Part. Non, c'est bon. Hop. Donc on va aller voir la chaîne. Ah ouais. Donc il n'y a que 3 niveaux. J'ai les 3 niveaux. Voilà. Ensuite, pour l'œuf, ça va être chiant ça, hein, mon cheveu pour l'œuf. Hein. Pays super mort, hein. Bah ouais, mais je veux bien, mais bon. Hop, ouais. Ok. Je suis un peu alors je sais pas si vous avez la même sensation. Eh ben félicitations, voilà. Félicitations, vous venez d'emprisonner votre premier dragon sauvage. Il vous attendra dans votre campement dès la fin de l'événement. Ok. Ah d'accord. Nous avons vous aide à chasser ce vilain brouillard. Touchez ici pour chasser. Ok. J'ai touché. Alors, dragon apprivoisé, requis 2. Ok. Voici la liste de tous les dragons sauvages. Nous avons trouvé jusqu'à présent. Vous pouvez tous les apprivoiser. Ok. Donc là, j'ai un 9. Là, je l'ai attiré. Pourquoi attirer je ne sais pas. Ah oui, c'est pour le venir faire venir. Ok. Donc, récompense d'événement. Ouais. Oh, mais c'est quoi ce coffre? Il est bizarre ce coffre. Donc, déjà on va découvrir baie sauvage verte. Très jolie. Elle est où? Elle est là. C'est extrêmement joli, oui. Hop. Je pense que les verts sont pour les œufs verts, du moins de mon point de vue.
Oh mince, j'aurais j'ai fusionné des trucs, j'aurais pas dû quoi. Ah, voilà dragon. Là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Touche ça là. Hop. C'est un peu complexe quand même à comprendre au départ, hein. C'est pas évident, hein. Là, il me faut non, on va éviter d'abord, on va défaire tout ce qu'il y a défaire. Ça là. Ça, je vais mettre là. Ça va là. Ensuite, là. Un, deux, trois, hop. Ça, c'est bon. Une, deux, ça, je dois pouvoir le faire. Une, deux. Ah, ok. Un corps tribal, hein. Ouais. Ben, on va essayer de récupérer quand même des trucs, hein. Je vais récupérer celui-là, bien là. Il est où? Il est où? Il m'a redonné le coffre ou pas? Ah, si, il est là. Bien là. J'en ai qu'un. Trois. Hop là, viens à toi. Hop. Donc, attirer, attirer, attirer. Attirer, il est où lui? Ah, t'aimes pas celui-là. C'est quoi que t'aimes, toi? Ah, des fraises. Ok. Ah, ben là, je suis un peu dans le caca, là. Alors, on les voit où les apprivoisés? Donc celui-là il est apprivoisé. Ok. Ok. Déjà, on va essayer d'avancer. Ça, c'est un verre. Ça m'intéresse ça. Parfait. Ouais. Il n'y avait pas que trois niveaux. Ah si, toi. Ça c'est quoi ça? Je sais pas du tout c'est quoi. Il y a des trucs que je connais pas. Hop hop hop. Boule de verre soufflé. L'œuf, je suppose que c'est le prochain niveau. Et là il me faut deux apprivoisés. Ok. Et eh bien écoutez, on va faire comme ça. Baie dorée. Oh, banane sauvage. Merci. Une belouise en dorée convoitée par tous les dragons sauvages. Offre 8 points d'affection. Ok. T'en es où, toi?
Accordéon. Pip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 
En faut beaucoup pour celui-là. Il devient gourmand, hein? Bon, ben voilà, on aura vu à peu près ce qu'il nous faut. Donc apparemment, la fontaine conjurante niveau mineur 3 donne beaucoup de choses. Je vais peut-être faire le niveau 3 avec lui. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Une amulette en verre soufflé. Ok. On va la mettre de côté. Hein. Je vais voir un peu ce que donne ça. Hop. Là, il me faut deux. On va donner deux. Là, il m'en fallait trois, donc... Oh, c'est bon, on peut les donner au fur et à mesure, c'est nickel ça. Ok, allez, c'est parfait. Ça, je sais plus c'est quoi. Oh là là. Je suis perdu avec les items là. On va les mettre par là. Hop. Là, il y en a un là. Ça, c'est les fumeaux du coup. 5. 5. Les verres soufflés. C'est lesquels? C'est... 5. 5. Hop, ça c'est les cornes. Apparemment, c'est pas illimité. Hein. Alors, la corne, c'est laquelle? Je vais vérifier que c'est bien ça. Info. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, j'ai où? C'est quelle chaîne ça? C'est pas maintenant ça? Petit jardin fongique. Ouais, ça, c'est très joli comme nom. Fongique. Ça donne envie. Ça, c'est quoi ça? C'est une boutique. Hein. Touche pour débloquer. Ouais. Touche pour débloquer. Ouais. Non, mais c'est qu'avec des gemmes. Donc, c'est pas intéressant. Et ça, c'est les gemmes. Ok. Donc, ça, non. Minuscule habitat dragon. Ok. Non. Pierre conjurante épuisée. Ses pouvoirs de conjuration ne sont plus ce qu'ils étaient. Ok. Non. J'en veux pas. On va faire ça. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un masque tribal, ok. Fermant. Et il faut recommencer tout le tintouin. Donne-moi ça. Voilà, le petit cri que vous avez entendu, c'est pas grave, elle est pas morte. Mon mari qui a été embêté un petit peu, juste histoire de dire. Alors, nous avons... C'est assez... Ouais.
sais pas comment définir. J'ai peur que la fontaine s'arrête. C'est con, hein? Ben, j'aimerais bien. Attention. Mais non, ça marche pas comme ça. Parfait. Non, 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 pas 10. Ah, mais j'ai pas vu. 8. 9, 10, c'est bon. C'est bon. Hop. Encore un. Encore un. Tribal. Bon, là, il faut que je fasse les trucs. Donc, voilà. Toi, c'est bon. Hop, toi je te donne. Il me reste encore des trucs assez bizarres à faire. 5. Hop, 1, 2, 3. Il me faut des pièges à règles, il me faut 2. Donc ça je vais mettre par là. Hop. Donne. 2, 3, 4, 4, et ben voilà, elles sont très jolies, hein, elles sont vraiment fabuleusement beaux. Niveau 3, ok, donc ben, je vais les mettre de côté, hein. Je peux pas faire grand chose avec ça. Bon, ben, ça, je vais pouvoir le donner à lui là, à Thierry, viens là, toi. T'es où? Ah ben. Viens ici, moi je suis là. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Hop, et celui-là, mange. Non. Ok. Donc, ouais, donne. Viens la manche là toi. Ça donne. Hop. Hop. Hop, déjà celui-là. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, j'ai l'impression de stagner. C'est un jeu qui doit se faire quand même sur la longueur. Donc vous avez à peu près compris le principe, hein. Évidemment, là, vous avez des objets que vous pouvez acheter. Alors que le mycélien est très joli. L'arbre conjurant enchanté pas mal, hein, la pierre conjurante aussi, et la fontaine conjurante aussi. C'est pas mal. Hein. Ah, j'ai mon chat qui meule, qui demande de l'attention. Et bon, je pense qu'il va falloir énormément de patience pour ce jeu. Donc voilà, voilà. Je vais déjà faire celle-là en première partie, je reviens vers vous un peu plus tard. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et on arrive pour cette fin de partie. Alors, vous voyez, j'ai défait, on a, du moins, j'ai défait toute la map. J'ai quelques objets en supplément. Il me reste deux items. Je vais pas pousser plus loin. Alors, c'est extrêmement long, c'est extrêmement répétitif. Les ventes sont très jolies. Ça ressemble un peu aux items d'Arcadia. Alors, j'avais posé la question de savoir si on pouvait cliquer indéfiniment dessus. Et la réponse est oui, mais après elle ne donne plus, donc faut la laisser le temps de se recharger. Moi j'avais peur qu'en cliquant dessus, ça explose. Mais non! Ça n'explose pas, ça ne vous donne plus rien, c'est encore mieux. Bon là, je suis à un distributeur
de niveau 3, puisque j'ai réussi à avoir des items un peu, je pense, comme vous. Là, j'ai réussi à en avoir deux. Des pierres conjurantes mineures de niveau 3 aussi. Et pour ça, bah, j'en ai eu qu'un, donc il a fallu faire avec. Mais par contre, là, les quêtes de coffres sont extrêmement longues à faire. Alors, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est le point info. Au début, quand on ne connaît pas trop la chaîne, pour savoir sur quelle chaîne c'est et avec quel élément. Ça, c'est bien pensé. Après, c'est vrai que c'est... Bon, ça se fait tranquille, puisque moi, je l'ai commencé hier après-midi. Après, pour les dragons... Alors, les dragons. Je vais venir aux dragons. Les dragons, j'en ai attiré... J'en ai 28, là. Il m'en reste encore, allez, sur le peu de temps qui me reste, il me reste combien de temps, je sais pas, voilà, même pas 3 heures, faut que j'arrive à tirer le niveau 4, hein, et ces deux niveaux-là, donc ça doit être faisable, hein, je vais continuer, je vais le terminer, mais je voulais quand même finaliser avec vous. Les chaînes, ouais, les chaînes sont très très jolies, c'est vrai que les items sont appréciables à regarder. On a eu aussi, pour ceux qui ont dû le découvrir, chaque dragon mange une espèce de fruit. Le problème, c'est que pour les nourrir, les espèces de fruits, on n'a pas souvent ce qu'on veut. Par contre, les gros gros fruits, par exemple ceux-là, je vais prendre ceux-là par exemple, si vous les prenez au stade final, voilà, au niveau 3, et que vous les faites récolter par un dragon comme ça, il vous donne un fruit comme ceci qui donne un 30 points, vous voyez, 30 points d'affection, ce qui vous permet de faire monter extrêmement vite. Je vais le faire là avec lui. Voilà, ça donne 30 points et au final on avance beaucoup plus vite. Et pourtant lui, il aimait les petites pommes violettes là. Donc voilà, et pour chaque fruit, après c'est vrai qu'on peut les fusionner par 5. Bon là j'ai pas mal de coffres, hein, je vais les faire avec vous. Voilà, hop, hop. Là j'en ai 5, je fusionne par 5, hop, de 9. Oh, là c'est pas... Non, là. Ah, attendez, on va faire une économie. Hop là, j'ai oublié, j'en avais encore à faire, donc on va les faire par 5, je termine avec vous. Ah, mais il restera juste une case. Apparemment, on gagne rien à finaliser le tableau, hein, donc vous pressez pas. Voilà, ça c'est bon. Hop, 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 là il m'en manque un pour en avoir deux. Ça, je vais mettre par là. Hop, hop, ça c'est bon. Et voilà, je vais avoir des fruits de niveau 3. Donc, comme ça, je vais vous montrer. Toi, viens ici. Peu importe qui vous prenez, hein, il vous donne le fruit de catégorie 3. Voilà, il va me le poser là. Hein. Donc lui, je vais le faire manger puisque c'est plus gourmand et je veux celui-là. Et après, apparemment, à la fin des ventes, on récolte tout dans le camp. C'est bien pour, moi je dis c'est un event, c'est bien pour passer le temps. C'est bien pour récupérer les dragons, parce qu'apparemment tous les dragons apprivoisés vont atterrir dans votre camp. Donc ça fait quand même 28, pour moi 28 dragons. Ou 28 ou 29, ça dépendra si j'y reste ou pas, hein, parce que moi après j'ai des croque-monsieur à faire. Mais voilà, donc on a quand même beaucoup, beaucoup de petits dragons assez sympas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ceux-là. Les dragons hivernaux, parce qu'on n'en a pas des masses. Les dragons de mer aussi, ça peut aider pour finaliser. C'est pas des dragons rares, rares. Guérissez plus de terre pour trouver d'autres enfants. Donc x5, je sais pas c'est quoi. Donc sûrement pour avoir... Il faut que je termine pour voir le reste. Je sais pas du tout. Je vous tiendrai courant pour le dernier, celui-là, là. Pour les informations de l'ultime œuf. Voilà ce que je peux vous dire sur cet événement. Donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, et puis on se retrouve pour le prochain événement, ben là, demain.
Non, là, on est mercredi, on est jeudi. Oui, demain. Je sais même plus quel jour on est. N'importe quoi. Voilà. Bon, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien.